C'est dingue parce que depuis la dernière fois, j'arrive pas à m'enlever cette musique de la tête. Comme disait Jacques Brel, elle ne me quitte pas. Eh ben voilà, c'est pas mal comme ça. Eh bien bonsoir tout le monde, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5. Je vous l'avais promis, on se retrouve cette fois-ci sur le mode RP de GTA, ou plutôt je suis une légende RP pour le moment. Et oui, c'est pour ça que les gars, les filles, je compte sur vous pour rejoindre le serveur. Ce serait cool quand même qu'on puisse jouer ensemble. Le serveur s'affichera en plein milieu de l'écran, c'est Bryland. J'en avais déjà glissé un petit mot dans la vidéo précédente. Eh bien cette fois-ci, je suis réellement sur le serveur. Alors pour le moment, il n'y a pas réellement beaucoup de monde, surtout au moment où on joue, bah y'a personne. Hop 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 hop, donne-moi ta caisse, toi. Salut, hop, allez, sors de là. Oui, ça marche, tu me diras ça plus tard. Salut. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte, une vidéo explication, une vidéo tuto. Les tutos de Jolat sont de retour. Eh oh, eh oh, envole-moi, envole-moi. C'est chaud, mon gars. Bon, allez, arrête donc de picoler, mon vieux, c'est plus l'heure, là. Allez, stop. Il continue, en plus, hein. Il s'arrête plus, hein. Oh, t'arrêtes? Bien sûr, à boire avec modération, l'alcool est dangereuse pour la santé. Non, par contre, plus sérieusement, je sais pas comment arrêter ça. Comment arrêter ce massacre? Ah bah voilà. Eh oui, mon gars, il y a moyen d'arrêter ce massacre, là? Comment, quoi? Qu'est-ce que... Ça y est, j'ai tout cassé, les mecs. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment arrêter ça? Stop animation. Reprends ta bagnole. Mon Dieu, tous les cadavres que j'ai laissés sur le toit. Ne faites pas ça chez vous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto comment rejoindre le serveur Bryland, celui sur lequel je joue. C'est le serveur d'un abonné. Il m'a contacté sur Facebook. Il m'a dit, Jolat, ça te dirait de venir faire un petit tour sur mon serveur? J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Franchement, ça peut être cool. Et ce qui serait encore plus cool, c'est que vous veniez jouer avec nous. On va tout reprendre à zéro. On se retrouve sur le bureau. Je vais vous expliquer comment se connecter au serveur, tout ça, tout ça. Déjà, je compte sur vous, les gars, les filles, pour me laisser le like sur la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça permet de mettre la vidéo en avant. Et puis, du coup, ça permet de mettre le serveur en avant. Donc, vous téléchargez votre petit launcher 5M. Voilà, ça, je vais pas vous faire de tuto. Hein. Vous tapez 5M, téléchargez sur Google. Vous allez vite le trouver. Vous le lancez, ça se lance et vous allez accéder à une page comme ça. Donc tout d'abord, il faudra que vous ouvriez Steam. Très important. Alors rien ne sert bien sûr d'avoir le jeu sur Steam. Hein. Vous pouvez très bien l'avoir sur Epic Store, sur Rockstar Game. Moi, c'est là-bas que je l'ai pris. Bref, il vous faudra le jeu. Ça ne marche pas, bien entendu, avec les versions craquées. Vous cliquez sur 5M.net. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre Internet. Vous vous rendez dans la section Servers. Et ici, vous avez une petite barre de recherche. Eh bien, vous tapez Bryland, tout simplement. Donc moi, je l'ai déjà rentré. Il y a 64 slots sur le serveur. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur connect. Bien entendu, avant de vous connecter, il faut vous assurer que votre fenêtre Steam est ouverte. Alors après, bien entendu, il faut attendre que ça charge un petit peu. Hein. Vous arrivez ici. Information 64 slots. Bryland 100% roleplay. Bien sûr, le règlement. Ne pas spam chat micro. Hein. Ne pas trop troller. Tout ça. Ne pas free kill, spawn kill, machin, machin. On connaît les mecs. Vous savez qu'on a déjà fait pas mal de roleplay sur la chaîne. Que ce soit sur Gmod, sur Earthworld. Très certainement sur d'autres jeux. Il y avait Reign of King à l'époque qui était vraiment super cool. Donc le RP, on connaît. On en a fait pas mal. Après, GTA 5, c'est la première fois que je lance le RP dessus, mais on va apprendre bien tranquillement tous ensemble. Donc il vous faut un mot de passe qui se trouve sur le Discord. Donc on se retrouve sur le serveur Discord de Bryland. Vous voyez que ça vous met un petit message de bienvenue quand vous vous connectez et tout. Donc ce qui va vous intéresser, c'est le salon se connecter. Vous allez voir, il y a un petit tuto, c'est vraiment pas long. Vous avez le mot de passe en plus pour vous connecter sur le serveur, ça c'est cool. Donc vous avez les candidatures pour aller dans la police, les candidatures pour le SAMU, catalogue de véhicules, concessionnaire, vigneron. Ensuite, vous voilà sur le serveur. Donc bien sûr, je pense, comme tous les serveurs RP, va falloir passer son permis. Enfin, va falloir faire des entretiens d'embauche et tout. Voyez, vous faites votre petite vie RP, hein. Moi, je ne sais pas encore comment ça se passe dans GTA au niveau du roleplay, mais j'ai déjà joué à Garry's Mod, comme je vous dis. J'ai déjà joué à plusieurs jeux RP, Arma 3, donc voilà, je sais à peu près comment ça se passe. Déjà, hop, 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 viens ici. Donc, je me permets de faire ça, bien sûr, parce que pour le moment, bah, il n'y a aucun flic dans la ville, hein. Vous allez bien sûr devoir gérer votre faim, votre soif. Vous avez un petit peu de sous à la banque. Je crois que vous avez 5050$ exactement à la banque. Et vraiment, les gars, les filles, je compte sur vous. Faut vraiment qu'on blinde le serveur. Hein. Que ce soit les Français, les Québécois aussi, je compte sur vous. Je sais qu'il y a quand même une grande communauté québécoise qui me suit sur la chaîne. D'ailleurs, je vous fais une big dédicace. D'ailleurs, il me semble que c'est des Suisses qui ont créé le serveur. Donc, je vous fais une dédicace également. Les Suisses, hein, les Dom-Tom, tout ça, tout ça. Bref, au monde entier, bien que je doute que Pékin nous regarde, quoi qu'on sait jamais, si vous passez par là, Konnichiwa. Ce
qui veut dire installez-vous confortablement et mettez un petit pouce bleu à la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en japonais. Et puis moi, je vous attends. On peut faire un petit peu de tout. Vous voyez, on peut faire de l'illégalité sur le serveur, bien sûr. Je ne sais pas encore ce qu'il y a à faire. Je vous dis, je le démarre en même temps que vous. Je viens tout juste de créer mon personnage. Là, j'arrive. Pour le moment, je suis tout seul dans la ville. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Adam qui était sur le Discord de Bryland, qui m'a bien aidé. Franchement, il m'a briefé un petit peu sur ce qu'il y avait à faire et tout. Donc, on sort la carte. Vous voyez que vous avez une légende sur la droite. Donc, vous avez les quartiers Red Devil. Donc, ça, c'est les gangs. Vous avez le pôle emploi. D'ailleurs, vous pouvez voir que je suis abatteur employé. Et oui, j'abats des petits poulets vivants. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Faut bien manger vos McChicken à McDo. Vous croyez quoi? Que le poulet s'auto des plumes et qui s'auto enfourne? Eh ben non, les mecs. C'est moi qui va l'abattre pour que vous puissiez manger. Voilà. Donc, on peut faire agent immobilier, comme je vous disais. Il y a les taxis, il y a les garages mécanos. Vous voyez, il y a les auto-écoles, avocats, la banque, les boutiques d'armes, braquage bijouterie, braquage supérette, butcher locker room, je ne sais pas c'est quoi, coiffeur, commissariat, concessionnaire, vous voyez, ah oula, je vais pas tous les descendre parce qu'il y a combien là? Attends, il y en a 48 des bordels? Bon bref, il y a les hôpitaux, il y a tout un tas de trucs les mecs, hein. Je vais pas, on va pas tout montrer, mais il y a les véhicules sans permis, voitures d'occasion et tout. Mais non, mais c'est terrible les mecs, je crois que je vais faire vigneron moi. Ah bah laisse tomber, vigneron, ça paye, hein. T'inquiète, ils se mettent bien les vignards. Alors par exemple, regardez, allons-y gaiement tous ensemble, on va se rendre au pôle emploi. Hop, voilà, on met un petit point sur la carte. Voilà, donc bien sûr, hein, CRP, on fait attention. On roule à 50 en ville et tout, tranquillement. Voilà, on prend pas les dodanes comme ça. Non, mais là, vraiment, là, je me permets. Vraiment, parce que bon, à cette heure-ci, il n'y a personne sur le serveur. Il y a... Voilà, je suis tout seul, c'est vraiment pour vous montrer. Mais bien évidemment que je vais pas conduire comme ça quand il y aura du monde sur le serveur. Bah j'espère pas. Surtout que là je suis en train de conduire au clavier à la souris. Parce que je vous explique, j'ai ma manette. Ah bah ça marche. Non parce qu'attendez, je prenais la manette. Et quand je sors de la voiture, attends faut que je me détache. Bah déjà faut que je trouve les boutons. Ah oui ça après je vais vous en parler aussi. Ah bah oui bah ça aussi, bah il y a plein de trucs à vous en parler. Donc là regardez ce que ça fait quand j'avance, quand je veux courir avec Ah par exemple, bah voilà ça me fait ça. Donc c'est pour ça j'ai pris le clavier et la souris en attendant. Donc quand je veux sauter bien sûr, bah il ouvre le menu à côté. Voilà. Enfin, y a rien qui va là avec la manette. Je pense qu'il faut que je vois dans les options du jeu, ça. Le serveur, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé dans les commentaires de la vidéo précédente. Il n'est pas whitelist. Vous avez juste à vous rendre sur le Discord. Vous avez le mot de passe, c'est accessible au public. Bien sûr, ce serait cool que vous ayez un micro à peu près propre. Voilà, pas besoin d'avoir des super micros de la mort qui tue ou quoi. Hein. Il y a des casques sur Wish à 5 balles et t'entends très clairement la personne. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Au moins que vous ayez un petit micro pour parler, normal. Tu vois, on est dans un jeu RP. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, bien sûr, il vous faut le jeu hein, sur PC. Et puis voilà, pas plus. Hein, franchement, c'est tout, quoi. Regardez, on arrive au Pôle emploi. Alors, oui, Pôle emploi, ça a changé maintenant. Hein. Ils font tout dans le luxe. Hein. Il y a des petites terrasses et tout, machin, nana. Ah bah, mon vieux, si ma conseillère, elle m'avait reçu comme ça à l'époque, c'était pas vraiment ça. Hein. Et puis, voyez que vous pouvez devenir abatteur, vous pouvez devenir bûcheron. Bah voilà, j'étais engagé en tant que bûcheron. Non, vraiment, ça va être super cool quand va y avoir un petit peu de monde sur le serveur et tout. Va y avoir des flics. Voilà, je sens vraiment qu'on peut vraiment faire un truc bien. Peut y avoir de la corruption et tout. J'en sais rien, tu vois, comme dans la vraie vie, quoi. Donc, on va se référer un petit peu à ce qu'il y a là. Ah, tas de bois. Ok, donc là, c'est ma mission. Voilà, faut que j'aille là. Ce serait vraiment cool qu'il y ait un petit peu de monde sur le serveur et tout. Alors, je ne sais pas combien vous allez être à vouloir jouer. Hein. Ça se trouve, vous allez être 2, 3. Je sais pas du tout, mais voilà. Il y a 64 slots sur le serveur. Pourquoi pas le remplir? Tu vois, en plus, je sais que... Oh, j'ai cassé la voiture. Ah, je l'ai cassé un petit peu quand même. Merde. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord. Hein. Donc là, je vous parle du Discord pour rejoindre le serveur. Mais j'ai également mon propre serveur Discord. Oula, regardez ça, on est presque arrivé. Là, je suis là. Je pense que j'appuie sur L. Il n'y a pas de véhicule. Attendez, il y a encore un autre point de l'autre côté. On va aller voir. Attends, faut que je prenne ça, à mon avis. Faut que je vienne avec... Genre avec un véhicule, une boule d'attelage et tout. Je vous dis ça, je sais pas, mais... Attends, parce que là, je suis parti à pince pour aller chercher une caisse, mais... Laisse tomber, mon gars, je suis en train de traverser la forêt et tout. Allez, arrête-toi là, arrête-toi là. Donne-moi ton 4x4. Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais il a pas de boule d'attelage. Putain, non, mais c'est dingue, quoi, il n'y a pas une bagnole avec une boule d'attelage. Attends, j'attache ma ceinture quand même. Voilà, c'est la touche K pour attacher sa ceinture. Voilà, admettons, on arrive ici, là. Alors, attends, comment ça se passe? On va tester ce qu'on a dit tout à l'heure. On va aller chercher le truc en haut. Comme je vous dis, je ne sais pas s'il faut une boule d'attelage ou pas. Oh là, pff, là, mon gars, je suis parti comme une balle. Ça marche pas! Bon, écoutez, de toute façon, il faudrait que je vois ça, non, parce que c'est, je comprends pas, là. Peut-être monter, on va y voir plus clair une fois arrivé en haut. Voilà, admettons que je suis en haut là. Qu'est-ce qui se passe? Envole-le-toi. Ah bah, super. J'ai pour envoyer un signal de détresse. J'ai envoyé un signal de détresse aux unités disponibles. Mais il n'y a pas d'unité disponible. Il n'y a que moi qui est disponible à cette heure. Peut-être sortir mon téléphone. Je peux peut-être appeler le SAMU, non, j'en sais rien. On va appeler l'ambulance, les mecs.
Personne. Je crois que je fais ça dans le vent parce qu'il y a personne de connecté sur le serveur à cette heure. Mais peut-être, on sait pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est arrivé entre temps. On va appeler un taxi peut-être. Allô, taxi service, j'écoute. Ce serait tellement trop fort s'il y avait quelqu'un qui répondait. Allô, taxi service à votre écoute, bonsoir. Non, y a personne, les mecs. Bon, eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo. Je vous l'ai dit, elle était assez courte. C'était vraiment un petit tuto histoire de vous dire, de venir jouer avec nous, quoi. Ça pourrait être cool. Bref, vous avez tout dans la description. Encore une fois, le serveur, c'est Bryland. Je vous le mettrai à l'écran. Il sera dans la description. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo, très important. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao!